J'ai 7 jours pour réaliser le move que vous me demandez gentiment avec un gun braqué sur la tempe, partie 14298. C'est le 9 et le 8. Si je ne réussis pas le défi, je dois vous donner mon inventaire. C'est pour ça que si tu ouvres les commentaires, tu vois plein de gars qui essayent de gratter avec des moves qui me demandent des Psycho 017 que je sais pas faire. Alors là, c'est encore et toujours le goat de TikTok Enzo qui me propose un classiflic. Alors il est l'heure de plier un classique. Enzo, t'as fait rire tout le monde, regarde. La première étape avant même de vouloir réussir le move in-game, bah c'est de le réussir tout court. Donc on part en entraînement, on part charbonner et on voit ce que ça donne. Alors j'ai tout simplement regardé le tutoriel de Classy lui-même, qui a fait un très bon tutoriel en 1 minute. Franchement, on kiffe les vidéos courtes comme ça. Et c'est là que je comprends que le move n'est pas si difficile que ça et qu'en vrai ça peut être une The Pocket en genre 2 minutes. Là il est magnifiquement réussi en entraînement, donc on part tout de suite essayer son game. Genre vraiment j'ai l'impression que ça va être le défi le plus rapide de l'histoire. Ça va genre me prendre 10 minutes et là je le réussis en une seule game. Alors on passe tout de suite au bon premier setup que j'ai, mais malheureusement je fais quelque chose de pas folichon. Juste derrière, on prend son deuxième petit setup. On a raté.